Je me réjouis tout particulièrement de saluer la présence parmi nous ce soir tout à la fois de notre président d'honneur, Alain Malraux, et de Laurent de Gaulle, président d'honneur de Culture Papier. Parmi ces différentes activités, notre commission a réalisé le livre blanc de l'Europe de la culture, auquel ont participé d'ailleurs de nombreux ministres et ambassadeurs, mais aussi elle patronne des colloques, des remises de trophées, le Grand Prix du Livre du Patrimoine qui avait été remis, on s'en souvient également, sur la scène de l'Odéon en l'honneur du 20e anniversaire de l'entrée d'André Malraux au Panthéon. Bien évidemment, ce patrimoine que vous avez su entretenir, préserver et valoriser ne pouvait qu'attirer l'attention de notre commission. Il faut d'ailleurs se souvenir que c'est André Malraux lui-même qui, le premier, fin gastronome, comme on le sait, avait songé à classer des restaurants, à l'époque où on ne classait que des églises ou des châteaux. J'ajouterai également un mot pour évoquer, bien sûr, un autre patrimoine immatériel, celui-là, chère Catherine Dumas. C'est la gastronomie française que vous avez su faire classer par l'UNESCO. Et la présence ce soir du président des maîtres restaurateurs et du président des critiques gastronomiques, la PSIG, souligne ici, s'il en était besoin, que nous sommes dans un établissement de tradition. Ont décidé les membres de notre commission à vous décerner ce grand prix et ce diplôme d'honneur que vous allez recevoir, cher Stéphane Malchaud, dans quelques instants. C'est tout à fait, premièrement, naturel que vous soyez, donc décerné. Vous avez un prix parce que c'est une institution dans l'arrondissement. Et pourtant, comme vous le savez, dans le 8e arrondissement, ce n'est pas ce qui manque, les restaurants, les hôtels, les grands restaurants, des grands chefs. Mais Mola reste pour nous une affaire de famille, une affaire de cœur. Catherine Dumas a fait un excellent travail il y a déjà plusieurs années. Ce travail considérable, c'est la gastronomie, qui est une vitrine absolument essentielle pour notre pays, pour notre région capitale, pour notre capitale. Le classement que tu as obtenu au patrimoine de l'UNESCO, ce n'est pas rien. C'est notre patrimoine immatériel. C'est une richesse importante et grâce à toi, nous avons aujourd'hui une reconnaissance nouvelle pour tous vos métiers. Et je voudrais aussi les féliciter et que vous puissiez partager avec eux votre prix pour aussi la restauration de cet établissement qui brille maintenant de mille feux. Ce diplôme d'honneur et cette palme d'or, puisqu'il s'agit d'or, que nous allons vous remettre dans quelques instants, sont bien sûr un symbole. André Malraux lui-même ne disait-il pas « L'avenir est un présent que nous fait le passé ». Aujourd'hui, c'est justement ce passé qui devient un présent pour l'avenir et nous allons donc vous remettre ce diplôme. Je le prends avec d'autant plus d'amitié que l'homme qui m'a fait découvrir Mola, entre autres choses, s'appelait André Malraux, qu'il avait un joli coup de fourchette, et que dans la déesse ministérielle, il nous ramenait du Palais Royal au pavillon de la Lanterne, qui avait été mis à sa disposition, et à celle de ma mère, par Georges Pompidou, alors Premier ministre. Je l'ai toujours vu lire les chroniques gastronomiques, tant du Monde que d'autres publication, et je veux dire qu'il était beaucoup plus pressé de lire la chronique gastronomique du Monde que l'éditorial du jour. Retrouver parmi vous et parmi nos si brillantes assistances avec des personnalités aussi remarquables que Laurent de Gaulle, par exemple, c'est aussi un très grand honneur auquel, malgré le poids des ans, je ne suis pas insensible. Et je suis très heureux que la brasserie Mola se voit récompensée pour le 150e anniversaire de sa création.
par un prix auquel nous attachons tant d'importance. Je vous remercie. Et j'ai un bon architecte, Philippe Andry, avec lequel nous avons refait la devanture, restauré les vitraux et surtout reconstruit cette nouvelle verrière que nous inaugurons ce soir. Elle a été terminée ce matin, juste à temps. Nous avons réalisé ces travaux dans le respect de l'authenticité et de l'histoire de ce monument historique. Si aujourd'hui la maison Mollard est toujours là et présente, c'est grâce à l'amour et à la passion que je porte à cette maison. Et je tiens à le signaler à l'ensemble de mes collaborateurs qui, par leur engagement, leur professionnalisme, perpétuent cette belle et formidable histoire. C'est pour moi un grand bonheur, une joie et une fierté de travailler avec une belle équipe comme j'ai. Bravo à vous et merci de votre attention.